Ils voltent. Et ils sont partis pour la cinquième épreuve du programme. C'est le prix communauté de communes des 4R. Et ils sont partis avec le numéro 13, c'est Kathleen Dor, qui a pris, le numéro 8, pardon, qui a pris le meilleur départ dans cette épreuve. Et la deuxième position pour le numéro 14, c'est Cadelia Ducalou. C'est Cadoline Ouest hein, qui a pris le meilleur départ. Alors que malheureusement, le 3 a fait la faute. On est le favori, il est à mi-peloton. Hein. Le numéro 5, c'est Creole Lady, qui est pour l'instant en 6e position, proposé à 3,80. Alors qu'il y a beaucoup de trains dans cette épreuve. C'est le numéro 8, dont Cadoline Ouest, hein, qui a le commandement. Deuxième position pour le 14, Cadelia Ducalou. Troisième position en dedans pour le 11, Kezia. Alors que vous avez son extérieur Cassiopée du soir, le numéro 2 qui ramène le wagon 2 avec le 9 Kaline Deslandes qui est sur un quatrième rideau côté corde. À son extérieur, c'est le 5 Creole Lady qui précède le 6 Kitty des Sources. En dedans, c'est l'as Cathy d'Amour qui est sur un cinquième rideau côté corde, même sixième rideau côté corde avec le 7 à l'arrière Canaille des Dîmes qui est avec le numéro 12 Carole de Juin qui patiente et le 13 Kathleen Dor. En dernière position, je vous rappelle qu'on a disqualifié le numéro 3. Avec un nouveau passage là devant les tribunes. Avec le numéro 8, Cadoline Ouest, qui a l'avantage depuis le début. Le 2 Cassiopée du soir qui vient à son extérieur. Alors que vous avez pour l'instant aucun mouvement. Il y a un concurrent qui a réussi à sortir de la corde. C'est un petit peu plus loin le numéro 4. Kezia Desvents. Les grosses accélérations là à l'extérieur. K2 Success 10 qui accélère fort le numéro 10 pour essayer de se rabattre avant le tournant. Et on lui a emboîté le pas avec le numéro 12 notamment, Carole Dujouan ou encore le 13. Kathleen Dor qui a essayé de quitter l'arrière du peloton. Mais ce n'est pas évident, nouveau tournant à venir, K2 Success 10 qui accélère fort le numéro 10. Et pour l'instant contré en dedans avec Cassiopée du soir le 2, avec le numéro 8, Cadoline West qui a l'avantage. Fait partie des favoris de cette épreuve, hein, Cadoline West. Le numéro 10, donc K2 Success 10 qui vient à son extérieur. Le bon parcours pour le 14, Cadelia Ducalou, qui est sur un deuxième rideau côté corde. Ça devient difficile pour le 2, Cassiopée du soir, qui a eu un parcours né au vent. Avec le numéro 12 qui se rapproche toujours, Carole Dujouan, dans cette épreuve. Le deuxième favori de cette course, et pour l'instant, le favori est malheureux. Hein. Le numéro 5, Creole Lady, qui ne peut pas sortir et qui se retrouve dans les dernières positions. Faute du 6 à l'arrière, on a perdu Kitty des Sources. Avec le numéro 1, Katie D'Amour, qui se retrouve en dedans. Mais pour l'instant, je répète, le favori, Creole Lady, le 5 qui essaie de venir en épaisseur, qui peut encore revenir hein, sur le groupe de tête, mais on va bien en tête avec le numéro 8, Cadoline West, qui va rentrer en tête justement dans ce dernier tournant. La deuxième place pour K2 Success 10 à l'extérieur, le 10, avec Cadelia Ducalou, le 14, qui a encore quelques ressources. Juste derrière, c'est le 11, Kezia, le 12, Carole Dujouan, qui est encore compétitif. Et le favori, pour l'instant, il se retrouve vraiment loin. Ça va être compliqué pour Creole Lady. On va voir le numéro 5 s'il peut faire une bonne ligne droite, mais il se retrouve loin des trois premières places en tout cas. On a une faute de K2 Success 10, le numéro 10, qui a eu un petit peu de mal, qui a plutôt hésité, hein, qui n'a pas fait de faute, qui a hésité. Alors que vous avez le numéro 8, Cadoline West, qui essaie de résister à l'extérieur au 14, Cadelia Ducalou. Le numéro 8 qui repart pour l'instant, Cadoline West. Cadoline West face au numéro 14, Cadelia Ducalou. Et c'est donc le 8, Cadoline West, qui va s'imposer devant le 14, le 11. Et ensuite, c'est peut-être le 12, Carole Dujouan, qui a pris la quatrième place. On n'a quasiment pas vu le favori de cette épreuve, hein, clairement. Numéro 8 donc qui s'impose dans cette course de bout en bout. Thank you so